Nous sommes dans le 23e épisode et c'est parti. Aïe, ah bah ça fait pas si mal que ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je peux pas marcher. Je peux même pas marcher là-dedans. Et quand je viens là, il se passe rien. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent ici? Tenter d'utiliser notre fameuse épée parce que je suis le chevalier et donc il va se passer quelque chose. Ou pas. Ah si. L'épée rouillée a émis son pouvoir mystique. Tremblement de l'écran. Ah, je sors vite, hein. La tour de Dim va apparaître dans le désert. Ah ouais? Comme ça. Superbe épée. Donc je suis déjà dans le désert, il n'y a plus qu'à trouver où est-ce qu'elle est apparue. Quoique ils ont dit elle va apparaître. Peut-être qu'il faut que je retourne au village. Parler à nos potes. À me refaire un petit tour du désert. Ah, ça c'est nouveau. Un petit boss? Ah non. C'est la tour qui apparaît. Cool. Ah bon, elle a l'air haute cette tour. Hein. J'étais déjà venu là en fait? Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un magasin ou un truc comme ça, non? Ok. Je vais en profiter pour faire un petit point à nouveau sur mes objets. Ah la licorne, j'ai encore oublié de... Enfin j'ai oublié de regarder ce que c'était. Moi je vais garder mes objets, ils sont très bien. Prendre un petit peu de magie de la vie. Et est-ce que l'épée rouillée est devenue plus puissante? Non, toujours pas. Et comme d'habitude, j'attends pas. Je suis Marcy. Je cherche les ruines. J'ai été créé par le docteur Bowo. Il m'a oublié ici. Ah bah d'accord, bravo le docteur Bowo. Et j'attends depuis 50 ans. Emmenez-moi. Ok. Donc en fait, t'es quoi? T'es une sorte de robot? Déjà, en quoi tu peux être utile? J'ai remonté ton EM. Ah, ça c'est pas mal! C'est vraiment pas mal. Oula, ça c'est encore des nouveaux ennemis. Je suis sûr qu'ils vont être très méchants. Déjà, on va prendre une arme un peu mieux que ça. Genre ça. Ça marche. Ils sont rigolos ces nouveaux ennemis. Trop d'objets. X et R. Bon, c'est bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? L'arbre mana croît avec l'énergie de la nature. Comme tous les arbres. Bon, ça fait pas de mal de le rappeler, hein. Des gens, ils savent pas. Alors, on n'a rien ici.
quelque chose là. J'étais en train de me dire c'est passé de mode les murs fissurés. Eh ben non. D'ailleurs, où suis-je? D'accord. Bon allez, lui je laisse vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Tiens, laisse-moi passer, je vais d'abord aller voir là. Ok. Ah, notre message est sûrement très utile. La force satanique des gens rend l'arbre satanique. Ouais, bah c'est exactement comme la Triforce. Et donc, j'ai fait le tour. Ah non. Pétrifié. J'ai pas besoin de bouger pour te zigouiller. Hop. Magie. Soin. Est-ce qu'on aurait quelque chose de caché sous ce vase? Pas du tout. Rien ici. Rien ici. Alors, comme je commence un peu à me perdre... Ok, d'accord. Je vais revenir au début. Il y avait une salle à droite du début. J'ai pas du tout visité. Eux, ils sont vraiment pas beaux, ils me font peur. Ah, du coup, je peux pas passer. Si, c'est bon. Donc là, c'est la première salle. Et là, j'étais pas allé encore. Normalement, si c'est une tour... Je devrais finir par trouver des escaliers qui montent. J'ai pas peur du noir, par contre. Au fait, force? Je sais pas, allez, pourquoi pas. Et donc, cette salle ne serait rien d'autre qu'une impasse? Même pas un petit message. Allez, je retourne là où j'étais. Tac. X et terre. Et donc il me restait à visiter là, et puis dans la salle de droite aussi au nord. Des cercueils. Ça monte. Comme prévu, ça monte. Ok. Alors avant de monter, je vais voir la dernière porte. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'énigme aussi. Ne s'ouvre pas. Et donc, pour ouvrir ce truc... Je sais pas exactement ce qu'il va falloir faire. Ok, c'est tout. Ah, bah là aussi, ça monte. Voilà qui est bien embarrassant. Mm-hmm.
Ok. Allez, je monte. Et on continue à monter. Il n'y a pas de doute, c'est bien une tour. Ah. Encore? Allez, je me casse. On se croirait dans Zelda avec une salle comme ça. X vie. Pourquoi pas. J'ai pas testé ce mur, du coup. Mais y a rien. Oh, un petit message. À caractère informatif. L'eau de l'arbre satanique rend les êtres sataniques. C'est donc un cercle vicieux entre énergie et mana. Et donc là, je connais, c'est là que je viens. Un escalier encore. Au secours. Toujours trop d'objets. Zut. Ok, et ça je vais tester, je sais plus, oui. Ok, bon bah je vois... Non, je vois pas où je suis, si à peu près. Ouh là là, d'accord. Alors, quoi de neuf? Qui touche l'arbre mana reçoit un pouvoir infini. Il fait tout noir. Je suis déjà venu là? Peut-être pas. Par contre, ici, je suis déjà venu. Et là... Oui, oui, c'est vrai. Allez, continuons. Hey, j'ai 65 535 pièces d'or. C'est-à-dire 2 puissance 16 moins 1. Ça doit être le maximum. Ah, ah mince, c'est des trous ces trucs-là. Ah merde. Ah, j'avais pas du tout compris. Je pensais que c'était tout bêtement des obstacles, des murs. Bon bah c'est pas grave, ça va me permettre de passer par le deuxième escalier que j'avais pas encore visité. Qui n'était d'ailleurs pas là.
De toute manière, j'avais quasiment fini de visiter l'étage. Voilà, je me trouve ici comme prévu. Mais c'est bien plus rapide que de grimper par l'extérieur. Est-ce que mon plan a été gardé? J'ai changé d'étage. Ah oui, cool. Donc là, j'ai tout visité. C'était encore ça à tester. Voilà. Et donc, je suis tombé dans la salle juste en dessous, quelque chose comme ça, plus ou moins. Alors, je vais quand même y retourner. Juste pour être sûr que j'avais tout fait. Ah, les ennemis peuvent marcher au-dessus des trous. Ok, donc pas de mur fissuré. Oh zut, j'en ai marre. Et donc, il y avait un escalier quelque part. Ah bah évidemment. C'est pas si facile d'y retourner. Où est-ce que c'était? C'était là? Ouais, c'était là. Allez, on monte encore. Ça marche bien l'étoile, hein? X et R. Allez, on est reparti pour un nouvel étage. Fermé. Fermé aussi, bien sûr. Ah. C'est pas encore le moment de passer à l'étage du dessus. Ok. Je suis un peu perdu avec tous ces objets qui sont pas du tout triés. Si on mettait les clés comme ça, les éthers ensemble et les vies ensemble. Et la licorne là, je sais pas ce que c'est. Donc j'utilisais de l'éther. Voilà. Donc on va essayer de retenir qu'il y a un escalier ici. Et on va voir par là. Ou un coffre. Ouais, une armure du dragon qui traîne dans une salle vide. Trop cool. Je vais encore gagner en résistance. Je laisse. Fermé, zut alors. Je crois que j'ai bien fait de faire un petit stock de clés avant de venir ici. Voilà le test de Chevalier Gemme et son épée rouillée. Le vrai Chevalier Gemme recevra la légendaire épée Excalibur. Ok, alors. D'abord, le petit réflexe. Voilà. Équipement, l'épée rouillée. Après, je sauvegarde parce que je pense qu'il va se passer un truc.
J'aimerais dire la même chose. Ok. Non mais il va bien se passer quelque chose là. Hey! Non! J'ai dépensé une clé pour venir jusqu'ici. Il se passe rien. Bon alors, il reste encore ici à visiter. D'après le plan... Ouais, c'est le seul endroit qui reste. Excepté bien sûr les escaliers que j'avais vus. Le roi de Vandol reçut le pouvoir infini de mana. Le seul qui puisse rivaliser avec lui... apostrophe et le chevalier gemme. Avec trois petits points. Wait for it. Excalibur. Ok. Donc, bah, au final, j'ai rien d'autre à faire que retourner ici et péter ce mur. Tac. Bon, cette tour m'a l'air très grande et très haute. Donc je continuerai à la visiter dans le prochain épisode. Ciao, ciao!